To keep you satisfied, rest in server lines just to be bold, Makes you ship that's what you Le micro. Non, le micro est bien branché. Voilà, cette fois, on est bien. Bonjour. Salut, Jean, Salut, Julien. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live euh, que j'ai nommé, si je l'ai bien mis à jour, caméra obscura, un terme euh, bien, euh, bien bizarre peut-être pour l'instant. C'est un thème un petit peu particulier. On va faire un tout petit peu d'histoire et. Euh... On a failli pas avoir le micro. Eh hey non, pas deux fois d'affilée, pas deux fois d'affilée. Euh, donc, c'est un, euh, un thème un petit peu particulier. On va faire un petit peu d'histoire. Mais euh, surtout, en fait, je pense que de, de parler de ça, ça va vous aider à comprendre encore mieux comment marche la photographie et, euh, et à améliorer euh, votre, euh, votre pratique. Euh, en plus, je vous proposerai un petit atelier pratique euh, à la fin à faire. Et, euh, et, puis euh, et puis, ça sera plutôt cool à faire. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Tant que tu as une connexion internet. Eh oui, il ne faut surtout pas que je déco. <laughs> Mais normalement, ça marche. Normalement, j'ai une connexion qui fonctionne et ça devrait aller. Euh, comme d'hab, merci à tous, de, tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui me follow. Merci à tous ceux qui partagent les publications. Donc, euh, pour ceux qui viennent pour la première fois, n'oubliez pas un petit, euh, un petit follow, le petit cœur sur la chaîne Twitch. Euh, pareil sur les publications, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube pour aller revoir les, euh, les lives précédents. Euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher une petite donation. Le lien est en dessous de la vidéo sur la chaîne Twitch. Merci, merci encore pour tout votre soutien. Euh, je prends toujours aussi le petit temps de remercier euh, mon modo euh, alias Sorion Julien euh, qui est plutôt présent et ça fait super plaisir et qui a bah, un super boulot. Il a été hyper au taquet lors du live que j'ai fait avec euh, Proceada, euh, qui, est, qui est là avec nous. Et, euh, et merci à lui, qui me permet d'attaquer ses lives un peu plus sereinement. Hello Salut Dirkats Comme promis, mais je, 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 je n'en doutais pas. Je n'en doutais pas. J'ai vu ton petit tweet euh, concernant euh, ton appel, mais euh, Darkroom, je ne connais pas du tout. Euh, voilà, sinon je t'aurais répondu. Donc voilà. Donc euh, on va attaquer gentiment. Euh, donc comme je vous ai dit un petit peu d'histoire. N'hésitez pas à, à poser vos questions, à m'interrompre si euh, je vais un petit peu trop vite. Le but du jeu, c'est pas de rentrer encore une fois dans les détails. On va se faire plaisir. Si vous avez des choses à rajouter, des choses que j'aurais oublié de dire, ou si vous voyez que je dis des bêtises, ben lâchez-moi. Allez-y, <laughs> faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. <laughs> Donc, je vais commencer par vous présenter euh, la, la, la première photo euh, de l'histoire, entre guillemets. Euh, enfin, en tout cas, c'est la première on, dont on a les archives qui a été euh, longtemps ignorée. Et c'est une photo qui a été prise par Joseph Nicéphore Joseph, ah, Joseph Niepce, je vais y arriver, euh, en 1826 ou 1827. Donc voilà, c'est la première dont on a réussi à, à avoir la trace. Et euh, c'est assez intéressant quand on connaît un tout petit peu l'histoire. Il faut savoir que là. La... Il y a un Discord, ouais, tout à fait. Tout à fait, il y a un Discord. Il n'est pas encore beaucoup utilisé. Je dirais que j'en parle pas assez, mais il y a un Discord, effectivement, ouais. Euh... Donc, du coup, ouais, cette photo, l'histoire de la photographie, on... c'est un, un, euh, un peu bizarre. le... La paternité de la photographie, on ne sait pas trop à qui, euh, qui l'attribuer, que ce soit il y a eu Niepce, Talbot, Daguerre, tous se sont appuyés aussi sur les travaux d'un certain euh, euh, Wedgwood. Bref, encore une fois, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà cette première photo, je voulais la montrer parce que c'est quelque chose d'assez historique et puis euh, elle est malgré tout hyper intéressante. Et le but, c'est qu'à la fin de, de ce petit live, eh ben, vous soyez capable de faire quelque chose de similaire. Et ça c'est plutôt cool. Donc, euh, et comment est-ce qu'on y arrive Comment est-ce qu'on y arrive On va revenir un petit peu sur le principe de la photo. J'en ai un petit peu parlé quand je parlais d'ouverture et de et de et de fermeture sur euh, sur euh, d'autres lives. Et ben en fait, euh, le principe il est assez simple. Euh, je sais pas combien on est. On va essayer de voir un petit peu si euh, tac tac tac. Le principe, à votre avis, et on, on, va, on, va faire, on va voir si vous êtes réactif. Euh, à votre avis, le principe de, la, de ce que j'ai appelé la caméra obscura, enfin c'est pas moi qui l'ai appelé, mais c'est comme ça que j'ai appelé le live, la caméra obscura. Euh, de quand est-ce que ça date Quand est-ce qu'on a commencé à se dire tiens, on pourrait faire, euh, on pourrait faire de la photo, c'est-à-dire en fait en gros euh, reproduire une, ce qu'on voit à l'œil nu sur un support en 2D. Ouais, Julien, c'est un mot de ouf. A votre avis, alors de quand est-ce que ça date Quand est-ce qu'on a commencé à, à, à trouver des solutions et quand est-ce qu'on a essayé Est-ce qu'il y en a qui, qui ont une petite idée dans le chat mmh. <laughs> Très compliqué. Si je vous mets la photo suivante, est-ce que ça va vous aider Ou alors ça va vous perdre. La première chambre noire était étudiée au 18e. 1826. Ouais, facile, puisque du coup, 1826, c'est la... C'est la 1826 ou 1827, c'est la date de la première photo. Mais avant d'arriver à faire une photo, il a fallu euh, réfléchir au concept. 1772. Alors je ne sais pas pourquoi tu balances cette date, Dearcut, mais euh, 1772. Euh, je vois pas à quoi ça correspond là comme ça. Au moins que tu aies mis, es mis une année au pif. Bon, je ne vais pas trop vous laisser languir trop longtemps et trop, euh, et trop euh, faire durer le suspense. C'est un des premiers dessins d'une étude sur une chambre noire. Ok, et bah écoute, euh, je, vais, je vais aller même un peu plus loin que ça. Je vais aller euh, jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Aristote. Euh... Ah, Julien, on y approche, on y approche, on y approche, on y approche. <laughs> et donc du coup Je vais, ouais, je vais au fond et, euh, et donc du coup en fait ouais, Aristote déjà en parlait dans un de ses livres Du principe de ce qu'il a appelé C'est lui qui a appelé ça la caméra obscura Camera obscura Donc on, on a aussi un chinois Mais alors je n'ai pas trouvé les références exactes Je crois que c'est un chinois qui en parlait encore Quelques siècles avant lui Et il y a des hypothèses mais on n'en est pas sûr Où déjà ils, ils utilisaient le principe à l'époque du néolithique Et ce principe c'est quoi la caméra obscura donc comme son nom l'indique, camera obscura, obscura donc l'obscurité c'est toile chinois. Mais je sais que c'est toi le chinois, Bena, c'est pour ça que ça me fait pen toujours penser à toi quand je fais ça. Ouais, alors le néolithique, euh, le néolithique, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses, ils ont utilisé le principe euh, Mais on va voir pourquoi, comment est-ce qu'ils auraient pu l'utiliser. Il n'y a pas de preuve de ça. Mais j'aime beaucoup cette, euh, cette anecdote parce que je trouverais ça fun qu'il est, euh, qu est déjà utilisé. À l'époque du néolithique, je pense effectivement pour faire peut-être des, des peintures sur les sur les euh, sur les grottes dans les grottes. Donc la caméra obscura, comme Aristote l'a appelé, donc c'est dans l'obscura pour l'obscurité et caméra qui veut dire chambre ou huis clos. Et euh, déjà à l'époque ils avaient ils s'étaient rendu compte, comme on voit sur l'image là que je vous projette, que si on se mettait dans une pièce complètement sombre, qu'on faisait un tout petit trou d'épingle dans un des murs, et eh ben ça projetait l'image qu'il y avait à l'extérieur. Euh, sur le mur opposé. Mais non, les T-Rex peuvent pas faire des selfies, Julien, ils ont les bras trop courts. C'est pas possible. C'est pas possible. <laughs> Imagine comment tu peux faire un selfie. Compliqué. Les pauvres. <laughs> Et... Euh... Et ouais, trop courts les bras Je suis d'accord, Benoît, trop courts les bras du ben, T-Rex. Et, euh... Et donc du coup, voilà, il s'était aperçu qu'il pouvait projeter, juste avec un petit trou, une photo sur, sur le mur opposé. Et, euh, et ça, il trouvait ça plutôt cool. Donc, du coup, il projetait une image 3D, quelque chose qu'il voyait à l'image, sur un mur. Et donc, ça a été euh, Aristote le premier à écrire, à, à part cette histoire de chinois. Mais faudrait que je revérifie les sources. Peut-être encore un peu plus vieux. Miso, Miso, peut-être le nom. Si vous, avez, si vous êtes sur Google, n'hésitez pas à aller regarder. Je crois que c'était euh, un truc comme ça. S'il y en a qui ont euh, la perche à selfie, voyons. Et je vous mets au défi de me trouver sur Google un, un, un T-Rex qui, qui fait un selfie et de me le poster dans le Discord. Allez, petit défi, allez-y, c'est parti. Euh... Et donc, du coup, voilà, ce, ce phénomène était connu, a été utilisé pendant longtemps, et c'est pour ça que je reviens un petit peu sur Dirkuts qui parlait de 1772, puisqu'au fur et à mesure, ils ont, ils ont travaillé dessus, ils ont fait des essais. Euh... Est-ce que je ne vais pas zoomer un petit peu pour vous voyez un peu mieux Ça serait peut-être mieux ça. Hop là. Donc, ils ont évolué un petit peu le concept, ils avaient compris comment ça fonctionnait, qu'ils projetaient à l'aide d'un miroir, là on voit bien, un miroir incliné, pour pouvoir envoyer ce qu'il ce qu y avait en face de la, de la chambre noire, on va appeler la chambre noire, caméra obscure, et euh, à l'intérieur et pour projeter sur une petite planche le, ce qu'ils voyaient. Et s'ils se mettaient à l'intérieur du noir, et bah du coup, ils pouvaient par exemple redessiner par-dessus. avec moi je moi je trouve me teste pas <laughs> défi accepté mais allez-y allez-y vendez-moi du rêve et si vous la trouvez pas je suis sûr que Julien il va nous faire euh, il va nous faire un montage de ouf de dinosaures en train de faire des selfies j'ai été trop rapide ah, attendez faut que j'allume le discord je l'ai pas allumé le discord ça a déjà été posté j'ai battu j'ai battu euh... hop là j'ai pas lancé le discord quelle honte je regarde, dès que je l'ai lancé, je regarde. Hop là. Euh, et donc, du coup, voilà, ils utilisaient ce principe-là, effectivement, pour projeter l'image, et ça a été beaucoup utilisé pour, euh, par les peintres. Automode, à retirer le message par Merci, Julien. Nickel, parfait. Euh, et donc du coup, ils utilisaient se projeter pour projeter cette image sur une place. Ça leur permettait de peindre et pouvoir de, de, de reproduire assez fidèlement euh, ce qu'ils voyaient. Et donc du coup, vous avez bien compris que le jeu de la lumière, en gros, il nous suffit quoi Il nous suffit d'une boîte vraiment dans le noir où la, juste la lumière qui va rentrer par un tout petit trou va venir se projeter à l'intérieur. Donc vulgairement, si on va un petit peu loin, une caméra obscura, c'est ça. Alors je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours rêvé de le faire, mais ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est un appareil photo. C'est votre appareil photo. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, le trou qu'on appelle sténopé, aujourd'hui ça a été transformé par les objectifs et le diaphragme. Et, euh... et euh, on, a, euh, on a donc un petit cache qui est, qui est devant ici. On voit le cache. Donc qui permet d'empêcher de la lumière de rentrer. Et en fait, le temps où on va le laisser ouvert et fermé, ça va paraître. Ça va correspondant à notre vitesse d'exposition. À l'intérieur, on va fixer un papier qui va être réactif à la, à la lumière et qui va pouvoir s'imprimer dessus. On va en parler un tout petit peu plus juste après. Et, euh, et la taille du trou qui correspond au diaphragme. Donc on a bien notre triangle de la photographie, ouverture, vitesse et sensibilité, et on peut faire une photo avec une boîte à chaussures. Eh oui. Tu peux faire un test en faisant un trou dans le cache de ton boîtier, je crois. Julien, tu es en train de me spoiler la fin du, du live. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Effectivement, belle transition. Ça sera le petit atelier que je vous proposerai juste à la fin de, euh, de, de ce live euh, pour, pour faire ce genre de choses. Si, si, dire tu faut tester. Tu vas voir. Je vais expliquer un petit peu et je vais te montrer. Tu vas voir, c'est vraiment fun. Je ne fais pas de trou n'importe où. <laughs> Et, euh, et donc du coup voilà, effectivement votre caméra, c'est exactement ça, et, euh, et on va en parler juste après. Donc bien évidemment la photo ça a évolué, ils se sont rendus compte que s'ils utilisaient des objectifs avec des lentilles, le trou, le sténopé pouvait être devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace. Et là on a devant nous euh, un des... Alors c'est pas vraiment un appareil photo, c'est euh, un appareil pour faire des daguerre, daguerreotypes. Pardon, j'en ai plein la bouche quand je le dis. Donc c'était le principe de, de, de Daguerre, j'en ai parlé un tout petit peu au début, un hein, des papas de la photo. Et, euh, et donc le principe est, est d'améliorer voilà, le, le sténopé, le trou, d'avoir des lentilles, et de pouvoir imprimer sur une plaque en argent qui était, euh, qui était particulièrement travaillée. Après, le Daguerre avec Talbot, c'est parti plus vers la photo, le Daguerre, c'est resté du daguerreotype. c'est un petit peu particulier, puisqu'en fait, en gros, il n'y avait pas de négatif. C'était directement l'image qui était imprimée sur le support, et la, le principe de la photo était d'imprimer sur, euh, sur un négatif qui sera la, la branche Talbot entre guillemets et le côté Daguerre qui restera Daguerrotype, qui sera un petit peu développé par les Américains. Euh, Talbot étant anglais et, et Daguerre étant français. Voilà. Donc je connais un petit peu le principe. Les photos là que je vais vous montrer sont issues d'une un, manifestation qui a eu à la ville de brie-sur marne euh, où il y avait un grand spécialiste. J'ai plus son nom, j'ai plus de regarder son nom zut ben, si tu es encore là, retrouve-moi le nom de. de, de C'était un Américain donc, qui était venu à Brie sur ce salon et qui avait, euh, qui, avait euh, qui avait expliqué un petit peu le principe du daguerreotype qui en fait euh, l'heure actuelle. Donc là, c'est un appareil moderne, conçu par ses soins et puis par, euh, par d'autres branches. C'est pour ça qu'il y a une rotule un peu plus euh, moderne juste en dessous. Mais le principe est celui de Daguerre, c'est-à-dire euh, du 19e siècle. Mike quelque chose c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça donc je fais très vite je profite que j'ai ces photos là que j'ai ce reportage là pour vous rappeler un tout petit peu comment ça fonctionnait et le, le travail que ça représente euh, donc voilà le Mike je, on va retrouver son nom de famille Robinson Mike Robinson yes merci Dirkutz Benoît la honte il a trouvé en toi donc, Mike Robinson, qui est quelqu'un de très gentil et qui est beaucoup dans le partage et qui nous a appris beaucoup de choses ce jour-là. Donc, comme je disais, le principe du daguerreotype, c'est pas de faire des négatifs, c'est d'imprimer directement sur une plaque en argent qui est polie pendant très, très, très longtemps et très, très finement. Euh, polie vraiment comme un miroir et qui va être mélangée à des produits pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être réactif à la lumière. Voilà. Et pouvoir imprimer la photo dessus. Vous voyez là, le, la, la plaque d'argent, elle est vraiment, euh, vraiment, vraiment. Euh, Vraiment comme un miroir quoi. C'est vraiment du gros gros boulot. Il n'aurait pas trouvé sans moi. Peut-être, c'est fort possible. Après, là, on ne voit pas très bien, mais sur la boîte, là, j'ai pas mis les photos, mais sur la boîte, ici, c'est l'endroit où il va présenter avec des produits. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, de pour, euh, pour que la, la plaque devienne vraiment photosensible à la lumière et pouvoir imprimer la photo. Donc, comme je vous l'ai dit, le principe c'est le principe de base. Hein. On a l'ouverture, donc le diaphragme qui est réglé ici au niveau de son objectif. Euh, ici, il va déclencher l'ouverture. Et donc du coup, bah, comme ce n'est pas un appareil automatique qu'on a aujourd'hui, euh, bah, il va falloir qu'il chronomètre le, son temps d'exposition par rapport à une mesure de la lumière qu'il aura, qu aura contrôlée juste avant. Une fois que la photo est prise, elle est encore une fois, euh, on, on applique des produits qui vont permettre de fixer l'image sur la, sur la plaque. Alors, la particularité, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire dans une chambre noire. Pas forcément très lumineuse, mais… Euh... Enfin, y a... si, il y a une période de chambre noire et puis il y a une période où, où on est un peu plus à la lumière. Ce n'est pas complètement vrai ce que j'ai dit. Mais euh, voilà. Et donc, du coup, il, il utilise des produits avec de l'or, je crois, et du bromure. Enfin, bref, je dis quand je ne rentrerai pas dans les détails des, des produits. C'est chauffé, c'est à l'eau. Et on obtient donc cette impression de photo sur, sur une plaque d'argent. Et pour l'avoir vue en vrai, alors je, la photo là, pas, euh, ne rend pas honneur euh, au travail, c'est magnifique. Le détail, la précision, le piqué de la photo, c'est juste, euh, juste impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est pas très grand forcément, parce que les plaques d'argent, ça coûte très cher et il faut les poncer et puis il faut l'appareil après qui corresponde à la plaque d'argent, puisque encore une fois, comme on n'a pas de négatif, on ne peut pas l'agrandir au moment de l'impression. La photo est très belle. Ouais, merci Benoît, mais, mais je pense que le voir en vrai, c'est encore autre chose. Vraiment. On a une espèce d'impression de, 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 de 3D qui, qui est vraiment, vraiment très impressionnante dans la, dans la résolution du, euh, de, du, du, du truc, en fait. Oh là, pardon. Hop là, je me suis un petit peu emballé. Euh, c'est surtout plus précis qu'un n'importe de photo. Effectivement. Effectivement. Alors après, je ne sais pas où ils en sont, mais je sais qu'à l'époque, quand ils avaient fait les, les conférences où ils parlaient de, du procédé Daguerre, ils, ils en parlaient éventuellement pour faire de la photo même astronomique, puisque euh, effectivement, le, la résolution et le détail est, est incomparable à une photo. Quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous, vous raconter sur l'histoire. Ce qui est intéressant à retenir, c'est le principe de la caméra obscura. Une boîte noire, un petit trou, pouf, on projette derrière. Euh, et ça c'est plutôt euh, plutôt sympathique euh, et effectivement c'est le principe de nos appareils photo. aujourd'hui la technologie de nos appareils photos elle nous sert à quoi Elle sert juste à faire des images plus propres et plus belles plus définies, plus piquées avoir des petits outils qui vont nous faciliter la vie comme, euh, comme le calcul de l'exposition qui nous évite d'avoir à, à calculer nous-mêmes nos temps d'exposition et, euh, et ça c'est vraiment intéressant de le comprendre Puisqu'en fin de compte, sur la photo, c'est exactement la même chose. Ouais, je suis d'accord. Je crois qu'en plus, effectivement, la conservation est beaucoup plus efficace euh, sur, un, sur un daguerreotype que sur une photo. Même si aujourd'hui, on a des qualités d'impression, de papier et d'encre qui nous permettent de conserver des photos plus de 100 ans, c'est pas infini. Alors que le daguerreotype, c'est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Je vais aller faire un petit tour. Je vais aller voir le Discord du coup. Attendez, je vous le mets là. Hop là On est fou. Yeah Trop vite, je voulais le mettre. <laughs> Bien joué. Félicitations. Joli réflexe. Bien, je vais dire Et donc voilà. Et donc j'en arrive. Si vous, avez, si vous avez des questions intérêts. Hein. Encore une fois, je ne veux pas aller trop loin dans le truc. L'important, c'est vraiment de comprendre le principe de la caméra obscura, et puis, euh, coïncidence ou pas, je ne crois pas, mais caméra obscura, donc euh, on voit bien que l'histoire d'Aristote euh, nous a suivi jusqu'aujourd'hui, puisqu'on appelle les caméras des caméras, en anglais, appareil photo, c'est dit camera. Euh, on, on comprend bien que le principe était là déjà, euh, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qu'on n'a fait que réinventer euh, ce qu'on nous disait déjà il y a des années. Euh, et donc du coup euh, Voilà l'idée maintenant C'est d'essayer de, de s'amuser à ça Donc on va essayer de simplifier un petit peu Notre appareil photo euh, Aujourd'hui notre appareil photo euh, On a donc notre caméra Obscura Que notre boîtier noir qui est à l'intérieur Ici du boîtier On a le, le capteur ici qui va nous servir pour imprimer La photo mais on se la pète un peu Parce qu'on a un super objectif de compète Qui nous permet une mise au point Et une netteté de ouf ben, Moi je vous propose aujourd'hui de l'enlever cet objectif. Hop là. Et le remplacer. Ça alors c'est un petit peu flou. Je vais essayer de vous en parler un petit peu plus. Vous préciser. On va le remplacer par ça. Et on va prendre des photos. Juste comme ça. Plus d'objectif. On voit bien. Si on voit bien là. Hop. Plus d'objectif. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Euh, le but étant de faire... Pas des photos hyper quali, mais de vraiment travailler votre créativité, de vraiment réfléchir à ce que c'est que la photographie et euh, et de, de s'amuser en fait tout simplement. Moi j'adore. Moi quand je m'amuse à faire ça, j'ai voulu refaire euh, en refaire un parce que ce, celui-là, je vais je vous expliquer comment je l'ai fait. Le trou est un tout petit peu gros. Euh... J'ai petit dit que je dis pain hole. Ouais c'est ça. Mais alors là du coup moi celui-là il est fait maison et donc du coup il est beaucoup moins cher. Comme dirait l'autre, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Et euh, c'est pas tout à fait gratuit, mais vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose pour faire ça. Et le but, c'est d'obtenir ce genre d'image. Voilà les exemples des photos que j'ai obtenues avec, euh, avec ce procédé. Donc, je n'ai pas d'objectif, j'ai uniquement mon appareil photo avec mon trou. Non, c'est la mienne. Dire que c'est trop tard. Ça, c'est ma phrase. Donc, du coup, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne Je vais quand même remettre.. Un objectif hop là, sur mon boîtier. Pour éviter les poussières à l'intérieur, même si le risque est quand même assez limité, ne soyez pas trop paniqué à ce genre de petites manip. Ce qu'il va vous falloir dans un premier temps, c'est le bouchon de, de votre appareil photo. Vous pouvez en trouver vraiment pas très cher. 250 euros pour trois objectifs. Et bah écoute, moi je te propose de faire la même chose pour 5 euros. Home yourself. Fais-le toi-même. Euh, donc du coup, vous prenez le bouchon. Le bouchon, je pense que la plupart d'entre de, de, nous, on peut le sacrifier assez facilement. Moi, j'en ai plusieurs. Euh, parce qu'en fin de compte, vous, vos appareils photo, vous laissez l'objectif dessus. Vous enlevez rarement les objectifs pour remettre le bouchon dessus, peut-être quand vous êtes en déplacement. Euh, mais en tout cas, vous pouvez en trouver pas cher. Vous en trouvez sur les brocantes. Vous trouvez ça, ça coûte que quelques euros. Il va falloir en sacrifier hein, un bouchon de votre boîtier. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, il va vous falloir une petite plaque d'aluminium une petite, petite plaque métallique et là ce que j'ai utilisé c'est de la boîte de c'est de la canette de la canette peu importe la marque vous prenez ce que vous voulez c'est de la canette c'est pour ça que moi j'ai plus de canettes chez moi et du coup je, je voulais en refaire un mais je l'ai pas j'ai pas pu euh, pas eu le temps de, de retourner acheter des canettes exprès pour ça et puis je voilà j'essaie de m'en passer mais la cam en grand Qu'est-ce que tu veux que je dise Tu veux que je... Si je rapproche un petit peu. Je vais essayer de... Attendez, je vais essayer. On va me voir flou. Ah oui, la cam en grand, pardon. Ouais, yes. C'est quoi On va faire ça. Hop là. Je vais revenir. Effectivement. Et on va essayer de... Je vais essayer de vous montrer. Me mettre au bon endroit. Voilà. Euh... Voilà. Donc du coup, mon bouchon est sacrifié. Et derrière, donc je prends cette feuille d'alu. Donc la procédure... Donc vous prenez cette feuille d'alu qui vient d'une euh, éventuellement d'une euh, d'une canette. Vous l'aplatissez la, au maximum, vous la gardez sous presse pour qu'elle soit euh, aplatie euh, qu'elle soit le plus plate possible. D'accord Et vous allez Hop là. pardon, excusez-moi, petite interruption technique. Hop. Donc vous aplatissez pour que ce soit le plus fin possible et vous allez aussi commencer à poncer vous allez commencer à poncer pour, euh, avec ce que vous avez sous la main, hein, le plus fin possible, le grain le plus fin, pour deux choses. Le premier, ça sera d'avoir votre plaque qui sera le plus fin possible. Et en plus, vous allez retirer aussi toute la peinture, la couleur, etc. Parce que, vu que la lumière va passer à côté, c'est dommage qu'elle emporte un petit peu de la couleur de, de la canette, euh, et qu'elle qu soit trop verte ou trop rouge après votre image, mais que ce soit vraiment la, la bonne couleur dessus. Donc vous voyez les, les traits de ponçage, etc. Là, que, que j'ai tout autour. On voit que j'essaie de le reponcer, du coup j'ai un petit peu déformé. Il faudrait vraiment que j'en refasse un. Dès que j'ai du fer sous la main, je, je m'en referai un. Euh, et donc du coup on ponce, on prépare cette plaque, on la ponce au maximum. Pendant qu'elle est en train de se rester aplatie sous une presse, vous prenez votre bouchon, vous calculez le milieu. Alors, si le trou dans le bouchon n'est pas au milieu le plus précis, n'est pas très grave. Par contre, il faudra vraiment que vous vous enquiquiniez à calculer avec une règle, trouvez vraiment le milieu de votre bouchon pour positionner le petit trou qu'on va faire dans la plaque d'alu vraiment, vraiment euh, au centre. Si jamais elle est un petit peu décentrée, vous allez quand même pouvoir faire des photos, mais vous allez avoir du vignettage sur votre image. Ce qui n'est pas forcément déconnant, ça peut être rigolo. Et euh, mais le but, c'est d'essayer de ne pas en avoir. Ensuite, vous prenez votre trou, et vous essayez, enfin, vous prenez une aiguille ou quelque chose, et vous essayez dans cette plaque de faire le trou le plus petit possible. Là, comme je vous le dis, mais du coup, c'est pas mal parce que vous le voyez bien, il est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop gros, et c'est pour ça que sur la photo que je vous ai montrée, sur celle que je vais vous montrer après, l'image est pas nette. Si vous voulez une image le plus nette possible, il vous faut le trou le plus fin possible, le plus petit possible, avec les bords les plus les lisses le plus possible. Donc, euh, ceux qui ont ça à, à la maison, franchement, euh, le le comment s'appelle euh, le laser Le laser, ça serait l'idéal. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais euh, le laser, l'idéal. Si vous arrivez à faire des petites plaques comme ça avec des petits trous, normalement, on est, euh, on est au taquet. Et une fois que vous avez fait votre trou, on repense parce que, en fait, si vous avez percé avec une aiguille, ça va faire des, des petits bourrelets, ça va un petit peu, euh, ça va un petit peu bouger, et euh, et du coup, ça va être, euh, ça va être, euh, ça va être problématique pour vraiment faire bien rentrer la lumière. Donc, je répète, on aplati la feuille d'alu, on ponce pour la finir au maximum, on fait le trou le plus possible petit, on reponce, on calcule vraiment le milieu dans notre bouchon, et on vient coller la plaque avec n'importe quel type de colle. Peu importe, j'ai envie de dire. Moi, j'utilisais de la super glue, je crois, pour le faire. Et on vient le coller dessus. Donc, ça nous fait un bouchon avec un petit trou, et ceci sera notre objectif. Voilà. Hop là, je vais me remettre en net. Non, ça c'est le zoom. Compliqué un appareil photo à l'envers. Voilà, là je crois que je suis pas mal. L'idée est bien. L'idée, franchement, est top. Franchement, euh, assez éclaté à faire ce genre de photo. Euh, c'est vraiment super sympa. Donc, quand je reviens un petit peu du coup pour vous remontrer un petit peu les photos, les résultats. Comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu flou parce que le trou est un peu gros. Mais euh, on arrive quand même à des résultats. Si vous vous souvenez, la première photo que je vous ai montrée de Nissei Nieps on arrive vraiment à des choses plutôt sympas, quoi. Avec un petit traitement colorimétrique un petit peu vintage, euh, c'est vraiment vraiment ça. C'est vraiment sympa à faire. Et puis c'est et du coup, quand vous allez prendre votre réglage de votre appareil photo, il va forcément falloir utiliser votre appareil photo en, en manuel. Euh, vous allez avoir à régler que la sensibilité, ne va pas falloir hésiter à faire monter un petit peu parce que ben là où oui, il va falloir en faire rentrer de la lumière par ce petit trou, hein. si vous vous souvenez de mon histoire des verres d'eau, on dirait une photo bien vintage. Mais c'est tout à fait le but, clairement. Et, c et franchement c'est fun à faire. Franchement c'est fun à faire. Et j'aimerais bien, je, je pense que je vais m'en refaire un pour essayer d'avoir encore un résultat encore plus net. Mais j'aurai jamais de la netteté que, que ce qu'on peut obtenir aujourd'hui avec des appareils, enfin des objectifs, euh, des objectifs modernes. Voilà le type de photo que j'ai fait avec ça. J'aurais pu nettoyer les lunettes avant de prendre la photo quand même. Et donc du coup voilà, vous jouez avec la, avec la, la sensibilité qu'il faut pas hésiter à monter. Sinon je te prête mes pinoles. Mais non Mais non, c'est pas drôle sinon. Car ça donne un super look. Ah tu parles les taches sur les lunettes et, euh, et donc voilà. Et donc vous jouez après sur la vitesse. Donc effectivement, vous allez utiliser votre appareil photo dans des limites, que ce soit en ISO, que ce soit en vitesse. Vous allez ralentir. Donc du coup, faut pas hésiter à poser votre appareil photo parce que des fois, vous allez avoir des photos qui vont prendre jusqu'à une à deux secondes. Euh, après, euh, du coup, ça permet aussi. Moi, je me suis amusé à jouer avec les flous de bouger. Ça plus l'effet. Euh, J'en ai pas sur l'ordi ici. Euh, je sais pas sur l'ordi là, c'est dommage. Mais euh, jouer avec le petit flou de bouger en même temps que, que c'était fait un petit peu euh, un petit peu vieillot. Alors, on arrive à faire des trucs euh, qui sont vraiment cool. Et je trouve ça vraiment sympa. Avec ce genre de photo, il faut un truc grunge. Ouais, carrément. Carrément. Eh bah, ben écoute, euh, Dear Cut, deuxième défi. Bah, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui regardent cette vidéo, que ce soit en live, ici maintenant, ou que vous la regardiez sur le sur Discord. Euh, sur Discord, sur, euh, sur YouTube. Euh, pareil, vous avez les liens vers le Discord. Vous m'envoyez les photos que vous avez réalisées avec votre. Donc, du coup, on va appeler plus ça un objectif, mais un sténopé, puisqu'on a juste un trou. Euh... Envoyez-moi vos photos. Envoyez-moi votre photos sténopé. Franchement, ça me fera super plaisir de voir un petit peu comment vous avez boosté votre créativité avec ce genre de petit exercice. Vous voyez, ça coûte rien. Donc, c'est de la récup. Un bouchon, de la canette. Un petit peu de colle. Euh, logiquement, vous avez tout ça à la maison. Et, euh, et voilà, amusez-vous à faire ça. Je mets tout de suite, euh, je vais vous rassurer tout de suite. Mais oui, le taquet, mon modo. qu'est-ce que tu crois euh, Je vous mets tout de suite, au, je vais vous rassurer. Vos appareils photo, il y a quand même des protections, des, des petites ventilations, etc. Les chances que vous abîmiez votre appareil photo avec ce genre de pratique, elles sont très minimes elles sont très, très, très minimes. Il y a des chances que vous ayez quelques petites poussières éventuellement sur le capteur, mais rien, de, rien que vous ne pouvez pas retirer euh, très rapidement euh, avec un petit coup de soufflette ou, euh, ou avec juste la ventilation automatique de l'appareil photo. Donc, ne soyez pas trop inquiet là-dessus. Euh, voilà pour ce que je peux dire là-dessus. Bien évidemment, du coup, vous n'amusez pas à faire ça sous la pluie euh, ou euh, dans une tempête de sable parce que oui, effectivement, vous avez un trou ouvert directement sur votre capteur. Là, c'est plus problématique. Euh, donc voilà. et eh bah ben écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis quand même plus rassuré avec mon objet plus un filtre neutre. Ouais, il faut prendre des risques dans la vie. Faut prendre des risques. Il m'est arrivé, arrivé de faire des changements d'objectif sur la dune du pila avec du vent et du sable. Euh, j'ai eu un, un, un tout petit tout petite saleté sur l'objectif sur que j'ai nettoyé très très facilement avec juste un petit coup de soufflette. Enfin, sur le sur le capteur euh, s'arrête quand même assez rare sur, euh, sur un réflexe vous avez le miroir devant vous avez le, le volet protecteur euh, voilà bon, pendant, euh, pendant des années pendant des années j'exagère mais pendant des mois j'avais une tache sur mon miroir ça m'a ça, ça, ça perturbé un petit peu à la prise de vue jusqu'à ce que je le nettoie mais euh, mais sur les photos on était toujours nickel quoi Ouais Le mec est ultra chaud. Après, je comprends que ça puisse euh, Ça puisse en perturber certains. Bien évidemment, il faut toujours faire très attention à son matériel. Venez pas euh, me dire Ah, j'ai poussé mon appareil photo à cause de toi. Si vous faites super gaffe, si vous n'allez pas renverser votre café à l'intérieur du boîtier, euh, si vous nettoyez pas votre appareil photo directement dans l'eau avec du savon, comme on a pu voir sur certaines photos YouTube, euh, vidéos YouTube qui m'ont bien fait mourir de rire. Euh, bien sûr, c'était un fake, mais ça m'a fait trop rire. Euh, normalement vos appareils photo ils craignent rien. Moi je fais cette pratique là, je fais aussi euh, go faire la GA comme ça. Ah ouais, bon courage. Bon courage. Mais ça peut donner des photos sympas. Et encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois avec euh, les... les C'était quoi C'était les poses longues dont on parlait. Euh, Tout se teste. Tout test. Moi je, je connais un, un, un photographe, euh, un, un journaliste, un photo reporter que je suis. Qui va sur les manifs et tout ça avec un vieil appareil photo, un peu dans le style du Daguerreotype que vous avez vu, sauf que c'est des vraies photos. C'est des, des négatifs derrière. Et il fait des photos avec ça c'est son gros trépied, C'est son gros boîtier, et il fait de la. Il fait de il fait de la... Quel GA <laughs> Ah, Ben, j'adore quand tu trolls. Celle de septembre ou de l'année prochaine <laughs> Donc. Euh... Donc voilà. Euh, voilà. Faites attention quand même à votre appareil photo. Euh, moi je le fais, je fais j'utilise ça. Je fais aussi ce qu'on appelle du freelancing, du freelances. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je décroche carrément l'objectif de mon appareil photo et je le fais bouger devant mon appareil photo pour faire des photos. J'en parlerai dans un autre live, je pense. Euh, et euh, et c'est plutôt cool. Tiens, si vous voulez que je vous montre. Euh, je vais vous montrer un petit peu le freelancing ce que ça peut donner où est ce qu'elles sont où est ce qu'elles sont où est ce qu'elles sont elles sont pas là euh, donc ouais du coup j'utilise voilà le, le boîtier ouvert et je prends des photos alors qu'il n'y a même plus d'objectif dessus alors bien évidemment comme je l'ai dit je le fais pas sous la pluie hein, on est d'accord mais du coup c'est euh, c'est plutôt cool. Euh... Les photos freelances que je fais, par exemple. Hop. Voilà. Là, normalement, vous voyez. Ouais, le freelancy, c'est vraiment beau. Je l'utilise de temps en temps aussi, même sur, euh, sur des mariages. Là, je n'ai pas pris des photos de mariage où je l'utilise. Mais euh, voilà, ça c'est des photos faites aux freelances. C'est assez rigolo parce qu'on a, de, a des espèces de mise au point un petit peu euh, à des endroits différents qui normalement ne se ferait pas. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment plutôt fun. Ah ça c'est un peu flou. Mais pareil, on a un style euh, qui est plutôt cool. Alors coup tu peux du macro comme tu veux en plus avec le freelance. Mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, je, je ferai un, reparlerai plus précisément d'un autre. En prenant un, si tu prends un 50 mm, tu le décroches et tu le mets à l'envers. Carrément, tu le retournes. Et, euh, et là, vraiment, euh, ça zoome encore plus. Tu as l'impression de, bah, de doubler, d'être sur une focale de 100, Et là, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, par exemple, moi, l'objectif que j'utilise euh, souvent, c'est euh, le vieux 50 mm de mon père. Parce que, voilà, il a une valeur un petit peu, un petit peu particulière. Je le, je le nettoie même pas. Euh, c'est euh, une ouverture manuelle, donc je peux ouvrir le diaphragme comme j'ai envie. Et, euh, et on fait des trucs de fou. Bref. Je m'étends pas plus que ça sur le freelances. Ouais, c'est un côté un petit peu sentimental. Mais du coup, ça me fait... Euh... Bah, on a vu les photos juste avant, hein. les photos juste avant, c'était ça. Hein. C'était euh, ces photos... Euh... C'est fait avec ça, quoi. Hein. Ça rajoute... Euh... Ça rajoute un petit peu à la... À la magie du truc Donc voilà j'ai fait un petit peu près le tour on est sur un sur le format court que j'aime bien là pour pour les lives euh, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher les follow à suivre que ce soit sur youtube sur facebook sur twitter vous avez tous les liens en dessous euh, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à me suivre N'hésitez pas à la petite donation qui va bien. Logiquement, après ce live, il euh, y a des chances que je passe à Twitch. Et donc, du coup, on lancera un petit peu une petite campagne d'abonnement de, de, euh, pour essayer de me maintenir et puis de, de faire augmenter la chaîne et puis d'aller encore plus loin. Euh, je suis en égo en pour aussi organiser des concours, vous faire gagner des choses. Et j'espère que ça va, ça va aboutir. Euh, C'est un compliqué d'obtenir d'avoir les bonnes les bons interlocuteurs mais euh, voilà j'ai quelques petits projets là dessus aussi et, euh, et on va essayer de faire évoluer au mieux la chaîne et grâce à vous grâce à vos questions grâce à tout ça des verres d'eau <laughs> je vais faire gagner des gobelets tenez faites de la photo avec de l'eau <laughs> ça va être rigolo plus t'éloignes euh, ton objet et la distance de focus, après du coup tu peux faire du macro avec presque tous les objectifs. Ouais c'est un petit peu ça euh, Julien. J'en rediscuterai du freelancing et puis je, je, je le ferai en direct je pense. Je, je vais cleaner un peu mon bureau et on essaiera de, de voir en direct comment est-ce qu'on peut faire. Donc voilà. Si vous n'avez pas de questions particulières, comme d'hab, partagez, parlez de, du live autour de vous. C'est super cool, merci à tous ceux qui retweetent, qui, qui partagent toutes les, toutes les communications. Non, je ne le mets pas celui-là. Je, je le garde pour les initiés. Je le garde pour les initiés. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi. <laughs> on n'a rien vu, on n'a rien vu. Euh, encore merci beaucoup de m'avoir suivi. Euh, je vais vous laisser là. En plus, on a tous envie de. Je, certaines personnes ont envie d'aller voir un petit peu les actualités d'ici un petit quart d'heure, je pense. Euh, hello Magali. Ah, oh, t'arrives un tout petit peu tard. On est sur la fin déjà. Désolé. Merci d'être passé quand même. Rapidement, avant la fin de la journée ou au plus tard demain matin, tu retrouveras la vidéo sur, euh, sur, le, sur YouTube. Bah, J'espère que c'était bon au moins si tu as mangé tard. En tout cas, je crois que euh, Magali, je, euh, je crois que sur les ateliers euh, d'Olivier en, en, en vrai, en chair et en os, je crois que j'avais déjà parlé un petit peu de, de, du sténopé et de ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, euh, mais tu peux toujours aller re-regarder et, euh, et puis voir euh, si, ça, si ça te branche. N'hésitez pas à lâcher des petits cœurs aussi, des petits pouces, enfin, des petits pouces sur les vidéos quand vous allez sur, euh, sur YouTube. Bon, et on va couper le live parce que je crois que Benoît <laughs> est parti complètement en suissette. <laughs> ça me fait rire, je suis désolé, ça me fait rire. Il faut que je le mette moins de 18 mon live. Vous arrêtez, vous arrêtez, il ne faut pas qu'il soit moins de 18 mon live. Donc on va se détendre. <laughs> allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites des photos, même en confinement, il y a toujours des idées, des petites choses. Euh, Faites-vous des sténopées. Envoyez-moi les photos que vous allez faire avec. Et puis, euh, après... ah si, j'ai pas précisé les prochains lives. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Je sais même plus ce que j'ai dit. Le prochain live, on est quel jour aujourd'hui On est mardi. Il y en a un jeudi où je vais parler un petit peu de cadrage et de lecture de photos. Et le prochain, la semaine prochaine, par rapport à mon emploi du temps, je l'ai déplacé à mercredi. Euh, ça sera mercredi le prochain live et on parlera matos. Pour ceux qui ne comprennent pas comment choisir un objectif, choisir un appareil photo, euh, on parlera un petit peu matos. Voilà. Allez, des bisous à tous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.